Eh bien, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons sur la démo de Final Fantasy VII Rebirth, jeu que je n'ai malheureusement toujours pas acheté. Je m'excuse si vous ne voyez pas le faire sur Twitch ou ailleurs. À l'avenir, ce sera le cas, mais pas tout de suite. Donc, on verra dès que j'aurai la possibilité. Donc, j'essaierai de le faire. Là, en tout cas, c'est la démo jouable pour le coup. Donc, on va appuyer sur la touche et... on va découvrir donc alors, la mission à Nibelheim. Oh, Sephiroth et Cloud. Il y avait une partie de l'histoire contre le Cloud et Sephiroth. Ouh, trop cool. 5 ans auparavant, Cloud et Sephiroth ont été envoyés à Nibelheim dans le cadre d'une mission d'inspection devant faire la lumière sur d'étranges phénomènes survenus dans le réacteur Mako local. Les deux soldats gravissent le mont Nibel vers cette installation de la Shinra. Terminer cette section vous permettra de passer la partie correspondante dans le jeu complet. Ouh. D'accord, ok, intéressant à savoir. Charger une partie. Donc ça, j'en ai aucune. Les réglages. Ah, attendez, réglages, la caméra, tout ça, ok. On va laisser en français. On touche à rien. On touche à rien, de toute façon. Ok. Les réglages de jeu. On touche à rien non plus. On va rien toucher. Ok. Résumé de FF7 Remake. Par où pourrais-je commencer? Que devrais-je vous transmettre? En vrai, ça peut être intéressant pour vous remettre... Avec tout ce que j'ai vu. Dessus. Tout ce que j'ai entendu. Et tout ce que j'ai ressenti. Au sujet de la planète. Du destin. Et de mes compagnons. Je vais tâcher de tout vous résumer. Midgar, la cité Mako. Cette ville géante était dominée par la compagnie Shinra, qui gaspillait le sang de la planète, la rivière de la vie, en la puisant pour la transformer en énergie Mako. La planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour protéger la planète. Des rebelles anti-Shinra. Avalanche. Ils engagèrent Cloud, un mercenaire ex-soldat de la Shinra. Et grâce à son aide, ils firent exploser le réacteur Mako numéro 1. Franchement, c'est cool pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas le jeu, franchement. Dans le secteur 8 en proie aux répercussions de l'explosion, Cloud rencontra la fleuriste Aeris. Celle-ci lui offrit une belle fleur jaune. Qui l'offra à Tifa après ? Une fleur qui symbolise les retrouvailles. Voilà. Après ça, les rouages du destin se mirent en marche. D'ailleurs, je sais ce qui va se passer dans ce jeu-là un petit peu. Les rebelles d'Avalanche, forts de leur première victoire, planifièrent l'explosion du réacteur numéro 5. Malheureusement pour eux, ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie déforma les faits pour mettre le peuple de son côté. Elle alla même jusqu'à faire chuter le plateau numéro 7, causant une catastrophe sans précédent qu'elle mit sur le dos d'Avalanche. Alors que les rebelles étaient désespérés, meurtris par la perte de précieux alliés, Aeris passa un accord avec la Shinra, acceptant de se laisser capturer. Car en fait, elle était la dernière survivante des Cetra. Le peuple pionnier de notre planète. La Shinra voulait trouver la Terre promise, le paradis mythique évoqué dans les légendes Cetra. Et pour cela, elle avait besoin de l'aide d'Aeris. Pour sauver leur ami, Cloud et ses compagnons s'infiltrèrent sans tarder dans la tour Shinra. J'y étais moi-même prisonnier en tant que cobaye. C'est bien, parce que je pensais que c'était Red Press qui parlait. Et ensemble, nous parvînmes à libérer Aeris. C'est alors qu'apparut devant nous le soldat le plus redoutable de tous les temps. C'est mon Ouzbando au passage. Le héros Pardon. Légendaire, ouais. Sephiroth. Supposé mort au combat, ce vieil ennemi s'empara du corps de Genova, l'origine de tous les maux, qui était conservé dans un laboratoire secret. Nous nous échappâmes de la tour Shinra.
combattîmes sur l'autoroute et réussîmes à semer nos poursuivants. Mais on dirait qu'il y a des changements entre mais celui-ci apparut de nouveau devant nous. Et l'ancien quand même. Pas que graphiquement, soudain, pour le coup. Des cris assourdissants retentirent alentour. Ah merde, la batterie est faible. Les gardiens du destin recouvrirent tout Midgard. Devant le mur du destin, Aerys nous avertit. C'était là que tout allait se jouer. Nous découvrîmes que le chemin parcouru jusqu'alors était celui que les fileurs voulaient nous faire suivre. Oui, parce que c'est vrai que ça s'appelle des fileurs. Nous devions décider. Nous franchîmes le seuil du destin et affrontâmes un Sephiroth qui semblait manipuler les fileurs. Quand Cloud abattit son épée porteuse de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Par cette victoire, nous étions sortis des rails de la destinée. Nous quittâmes alors Midgard, vers une plaine aux espaces enivrants. Et à partir de là, un nouveau voyage débuta, en direction de l'inconnu. C'était vachement cool, n'empêche. Pour ceux qui connaissent pas, je trouve que c'est vachement intéressant. Alors je vais regarder si je peux pas brancher la manette, moi. Bon, eh bien, c'est parti pour la petite mission Nibelheim avec Sephiroth et Cloud. We have the time, I think. Choisissez comment contrôler normal. On va faire normal, en difficulté. Mode dans lequel personnage se bat automatiquement et vous n'avez qu'à choisir les commandes lors des combats. Hein? Ah, est-ce que c'est pas le basique? Est-ce que le classique c'est comme dans l'ancien, même dans lequel personnage se bat automatiquement, il n'y a qu'à choisir. Moi je dirais l'actif, hein. On verra, je regarderai les vidéos des gens si le classique c'était comme dans les anciens ou pas. Ouais, moi je sais pas, je dirais actif parce que le dernier qu'on a fait c'était actif. Hein. Pour moi on était dans le mode actif. Allez, Usbando et Cloud. Wow. Ouh. Donc dans mes souvenirs, les fileurs, comme ils ont dit, je crois que c'est leur nom, wow, ça me rappelle beaucoup quand même le film qu'on m'a fait dans les années 2000. Voilà, ça c'est le combat qu'on a eu. Rejoins-moi vite, Cloud. Toujours un super comédien de doublage qui fait la voix de Sephiroth, je crois qu'il a toujours été sa voix. Tu vas nous expliquer ? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement ? Tifa. Oui, on va faire ça. Je peux tout leur dire ? Oui. Ça ne me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les soldats n'étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. J'aime bien ce qu'il y a marqué au-dessus. Démo jouable. La mission à Nibelheim avec Sephiroth et Cloud. Et ouais, donc les fileurs, je crois qu'ils étaient pas dans l'original. Hein. Que des cordes. Hé, hey, t'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir. Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Putain, mais c'est de façon de le dire. Prêt ? Ouais, je suis prêt. Je crois que j'allais dire une bêtise, je me suis dit, mais attends, mais avec Sephiroth, il a pas une autre tenue ? Il avait pas une tenue de jeune, justement, mais non, c'est. Mais en fait, il était avec Zach. Voilà, et c'est comme ça qu'il a appris, avec Zach. Dans toi. J'ai besoin. Non, je voyais pas tout à l'heure. De bouger. Ah, c'est jeune. Ouais. Oh, je te kiffe, Sephiroth. Il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Donc là, c'est ce qu'il faisait, c'était si comme c'est encore un boulot comme celui des Tarks, je vais devenir fou, moi.
quoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'adore Cloud aussi, hein. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat. Alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Navré, même. On va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turks. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. Et c'est où? Dans ton cul, mais... À Nibelheim. Nibelheim, mais c'est là d'où je viens. Wow. Les créatures nous barrent la route. Sortons. Et donc ouais, je sais qu'au moment où il était avec Zack, il avait une tenue justement plus... bah comme les autres là, de, les premières classes je crois. Non, les sous... Merde, je sais plus. Bref. Cloud, occupe-toi de l'autre. Ok. C'est féroce. C'est un peu comme ça qu'on est quand on fait des fans de ce féroce. Mais je crois que c'est des premières fois. Attends, je m'en charge. Oh, je contrôle ces féroces. Oui. Oui. Mais c'est trop bien. C'est pas souvent qu'on peut contrôler. On peut attaquer ses... je sais plus comment on joue en plus. Et je pouic. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. C'est un peu soudain là, faudrait que je reprenne le jeu. Cool, on peut contrôler Sephiroth. Mais ouais, je croyais, je savais plus s'il avait la tenue de l'ancien, mais la puissance de Sephiroth était incomparable. Ah, Sephiroth quoi. Calme. Nibelheim, tu dis, c'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets, et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Ah, ouais, c'est bien ce que je pensais. On va se balader comme ça. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors... Et tes parents ? Oula ! Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra ? Oui. Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. C'est compliqué. C'est une histoire... Faut vraiment que je finisse mes cosplays de Claire de Sephiroth, quand même. Oh, il est trop beau. Mais pourquoi je te parle de tout ça ? Bien. Mais je trouve qu'en fait, Cloud a une petite tête de poupon, alors que Sephiroth a une petite tête de... Monsieur Milf, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une tête quand même féminine. Je suis Xander, le maire du village. Ah oui, Xander. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite à personne. Venez, je vais vous accompagner. Et donc, ouais, Sephiroth, il a une tête un peu féminine, en fait. Mais... Quand même, avec une petite tête un peu méchante. Profite de cette journée. Et apparemment, il y en a qui ont fait la comparaison entre sa tête et celle de Vincent Valentine.
Et apparemment, ils sont très très raccordés au niveau, en tout cas, du modèle. Ok. Oh! Franchement, ils ont fait des efforts. Alors, juste pour vous dire, le Rebirth... Non, Rebirth, non. Le remake était sur PS4. Vous pouviez l'augmenter pour la PS5. Et j'ai vu la différence de PS4 à PS5. J'ai joué la version PS4. Hein. Mais quand j'ai essayé vite fait la version PS5, quand on a eu une PS5, on a vu la fluidité, quoi. Et je pense que ce jeu, ça doit être clairement plus fluide. Et puis, bon, je pense que la qualité doit bien se ressentir aussi. Donc voilà. En dehors des combats, permet d'effectuer des actions dites de parcours, comme des roulades ou des sauts. Ok. Appuyez sur carré depuis le menu principal ou l'écran de pause, mais en ouvrir le mode de photo et faire une capture d'écran. Oh non. Mais je sais même plus si on peut le faire dans l'autre. Ok. Équipement et matériel. C'est trop... Là, je pense qu'on est trop récent dans le jeu, là, je vais avoir du mal. Faut que je me remette dedans, faut que je me remette dans la... Bah, dans la façon de jouer. Je m'en souviens plus. Mais de toute façon, là, ça a changé, je trouve. Ils ont changé un petit peu... Mais faudrait que je m'y remette, hein. Franchement, faudrait que je m'y remette. Donc moi, il n'y a que Cloud, mais en vrai, je suis avec Sephiroth. Le manuel, notion de base. Oula! Oula la la la. Guide du jeu, les points de vie. On va essayer de se démerder sans. Je vais galérer, mais on va essayer de faire sans. Et s'orienter. On va essayer sans. Je vais peut-être galérer, mais... système. Et acheter le jeu, bah on va acheter le jeu. De toute façon, c'est sûr que j'y jouerai. Oh la vache, la tête, t'as l'impression qu'il va te tuer. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient dit que le petit problème, c'était ça. Eh ben, c'est vraiment un trou perdu au milieu de nulle part ici. T'as bien fait de te barrer. Eh oh, on n'est pas en perme, hein. J'ai vu autre chose. Pas du village. Dites, je pense aller à Midgard et m'engager dans l'armée. Est-ce que je pourrais vous aider? Ah, c'était toi qui me parlais, j'étais pas sûr. Une amie d'enfance que tu veux voir? Une jolie fille que t'aimais bien. Que t'aimais bien. Mais vous trouvez pas que lui, il a la tête de Cloud en vrai? Regardez sa tête. Et regardez la tête de Cloud maintenant. On dirait les mêmes modèles. Je me demande s'ils sont pas emmerdés en fait. Parce qu'il y en a pas mal de gars comme ça, et Cloud était un gars comme ça. Donc. Attends, gars, non! Je voulais te voir à la lumière, connard! Ouais, ils ont tous la même tête, c'est moi ou... Non, il a peut-être une tête un peu plus Cloud et... Ouais, lui peut-être un peu moins. Ouais, peut-être un peu moins. Un peu plus carré, et là, ouais, non, c'est plus Cloud, là. Bref. Non, je suis là pour tuer tout le monde. Non, je plaisante. Aucun rapport. Putain, ça a vibré, j'ai bugué. Désolé le chien. Ah putain. Oui. Bah, c'est pas facile à prendre en main. C'est toi, Cloud. Oui. Je suis venue voir ma maman. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est avant le fameux moment de PLS, ouais. Ouais, je suis vachement bien entraînée. Et franchement, vous verrez bien.
Mais si vous voulez, vous détendre un peu. Je veux juste voir s'il y a d'autres endroits. Ah, parfait. Wow, je suis tellement prêt, je pourrais être franche, hein. Je suis tellement prêt de la télé que ça me fait mal aux yeux. Et parce que là, je suis obligée de recharger. Parce que sinon, ça va couper en plein milieu de la vidéo. Et ça serait vachement con qu'on coupe en plein milieu du jeu. Voilà, voilà. Pourquoi t'as la boule au ventre? Mais c'est son meuble qui fait du bruit, comme ça on dirait tout à l'heure. Ok, donc c'est là où je dois aller, j'imagine. Je suis passé chez moi, mais peu importe. Non, attends. Ouais, ça m'intéresse. Moi aussi. Allez. Raconte-nous. Ok. Ah, on peut choisir. D'accord. Oh, vraiment. Les ans de Cloud. Mama Cloud. Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien 2 ans qu'on s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. J'arrive. Claudia s'appelle, j'avais oublié. Cloud et Claudia, parfait. Putain, c'est juste... C'est toi, Cloud. Je suis en mode... C'est le... En fait, c'est Sephiroth. C'est Cloud version encore plus féminine, quoi. T'es bien pour te cracher de ta mère, hein. Comme tu as changé. Ah, il y a un mélange un peu avec Tifa, je trouve, au niveau du visage, je crois. Ou Iris, peut-être. Merde, j'ai bug. C'est ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. Et gentille, ta mère. J'imagine que les filles te courent après. Elle a un petit mélange, hein, quand même, de plusieurs personnages. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Lesquelles? Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. Ouais, elle a un petit côté, en fait, peut-être Cloud et Tifa. Cloud et Iris. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. Au fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... PLS. Ça suffit. C'est dur pour lui. Au vu de la situation, c'est dur. Je comprends. Quand on connaît en tout cas l'histoire, c'est pas dingue. Énorme cette épée. Tu peux la toucher ? Ah ouais, ma grosse épée. Je vais enfin pouvoir faire sécher mon linge dehors. Et là, il y avait Tifa ici, je crois, avec lui. Dans le temps, en tout cas, quand ils étaient enfants. Je crois, mais je suis plus sûre. T'es montée là-haut ? Sur le château d'eau ? Ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré. Alors ouais, par nostalgie. Je vois. Si vous avez écouté Banal Fantasy, il y a des choses qui se disent, c'est pas ça. Je trouve ça à la fois triste et mignon. J'espère que je me suis pas fait mal. T'es allé chez moi ce jour-là? Je pensais que tu serais peut-être là. Mais alors, vous étiez voisins si je comprends bien. Oui, mais en fait... C'est ce que je parlais de Banal Fantasy. Ensemble, à vrai dire. On avait nos raisons. J'imagine que c'était surtout à cause de toi. Oh, bâtard. Et il va dans la chambre de Tifa, et vous aurez la suite sur dans Banal Fantasy. Non, je plaisante, mais...
On avait une chatte à la maison. Elle s'appelait Bouboule, c'est ça? Elle partait souvent en vadrouille. Elle était sortie ce soir-là. Une chatte qui s'appelle Bouboule. Beaucoup de choses. Alors. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est quoi ce machin? Ah, on peut faire peut-être du piano en bas? J'ai pas compris. T'es entré dans ma chambre? Ouais. T'as regardé mes petites culottes? Ah, c'était la partition. Vous pouvez jouer du piano si vous interagissez avec ceux que vous trouvez lors de votre exploration. Si vous obtenez des partitions, vous pouvez interpréter les morceaux qui y sont inscrits. Et t'as joué de mon piano? Ouais. Ouais. Attention. Oula. Oh là, j'ai l'impression que j'ai mal joué. Ah ok, si, je commence à comprendre. Ok. On va essayer. Je garantis rien. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas réussi. Ah ouais, non, mais c'est pas plusieurs fois, là. J'ai mal joué. Je suis nulle. Ou alors, c'est en retard. C'est bizarre. Non, je suis nulle. Ça va un peu mieux. J'arrive pas à voir le côté gauche. Ah, ça y est. Ça va un peu mieux, hein? Elle est trop belle, la musique de Tifa, n'empêche. Ah, ça prend pas... J'ai l'impression que des fois, quand j'appuie, ça appuie ailleurs, en fait. C'est un peu bizarre. Vous voyez, j'appuie et ou alors je gère mal, je glisse. Alors, je le fais tellement mal, hein. Merde, j'ai loupé. J'ai pas regardé. Ouais, c'était nul. J'ai tout raté. Waouh, rancé, nul. Remboursé. Faudrait que je trouve une musique. Bon allez, on stop. Oh mon dieu, je stop. Arrêtez de jouer. Oui, j'ai marqué oui. Pui, 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 pui. J'ai joué de ton piano, je suis content. Et j'ai grandi. Wow. Et voilà. Je pensais pas que tu savais en jouer. Eh ben, j'en sais pas jouer tant que ça. Faudra que tu nous montres ça. Eh ben, t'as des talents cachés en plus. Et je vais regarder les petits dessous. Non, mais attends, t'es sérieux là?
Ben non, ça... Ouais, on peut savoir ce qu'il y a dans l'armoire, c'est pas des petites culottes, c'est bon. Dans, les, dans la parodie, mais... Qu'est-ce que... Attends, j'ai pas pu résister, il y avait quoi dedans? Je veux savoir. Claude... Il y avait quoi dedans? Il y avait quoi dedans? Je suis curieuse. C'est des cosplays, qu'est-ce? Parce que vu la taille de... Non, tu vois, par exemple, c'est là-dedans qu'il y aurait des petites culottes, tu vois. Là, il y en a pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour la blague. Et apparemment, ils sont pas mal sur la blague dans le Rebirth, donc... Vous voyez, je galère un peu, mon personnage, il part dans tous les sens quand j'avance. J'ai peut-être mal... Là, elle pourrait dire que je la déçois, puisque je prends des affaires chez elle. Ah, d'accord. Il y avait que ça. Et bah voilà. Je peux regarder ton épée de plus près, s'il te plaît ? Non. Ah. Ok, Sephiroth, c'est là. Il y a Sephiroth en auberge. Ben j'allais dire, mais non, mais c'est pas lui. Oh! Un soldat de la Chine. Et toi, t'es qui? Je me nomme Zangan. Ok. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes. Et étonnamment, son nom ne me dit rien, mais peut-être que ça me dirait quelque chose. Monsieur, vous êtes perturbant. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. C'est ce qu'on m'avait dit. Apparemment, aujourd'hui, on me disait que dans le temps, j'étais beaucoup trop maigre, comparé à aujourd'hui. Mais moi, je préférais perdre un peu. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Mais t'as les yeux un peu Mako, toi. Tu la connais peut-être. Ah, pardon. Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. C'est toi qui l'as entraînée, bien sûr. Je m'en souvenais plus. Tu en doutais. Eh ben, t'es pas très perspicace. Oh. C'était il y a 5 ans. Ah, c'était bâtard. J'ai hâte que tu me montres comment se bat un vrai soldat de la Shinra. Ok, c'est tout. Ah, te voilà. Sephiroth est retourné dans sa chambre. Eh ben super. Je l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Vous avez vu qu'au niveau des sons, on n'entend plus les gens? Est-ce que si je fais ça... Non, ok. Les hommes de la ville sont si élégants. Allez, allez. Bon, allez. Peut-être que le son, il se coupe. Ouais. C'est ça, à partir d'un certain moment. Mais ouais, Sephiroth, c'était pas trop ça, ouais. Je sais. Qu'est-ce que tu regardes ? Ce paysage... Quoi ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas ? On dirait, mon chéri, ça va pas ? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Ouais, fin... Tu devrais aller te reposer. Moi, toi aussi. Ouais, bonne idée. Mais ouais, vaut mieux avoir Sephiroth dans ses alliés que ses ennemis. Oh, il a dit bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça ?
Elle m'a bien surpris le lendemain. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est grâce à la parodie que je m'en souviens. Ça fait abuser. Mais c'est du passé, tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille, maintenant. Il en repart. Oui, il est mal à l'aise. On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends, Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa. Ah oui, en mode cow-boy. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai deux soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa. Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur. Putain, de la vous taille de Sephiroth comparé à Tifa. Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Oh, trop mignon. Et des terres. Sephiroth, une photo s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander. Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth, ce sera un grand honneur pour moi. C'est gentil. On se met là. Ils sont trop choupis. On pouvait pas voir ça dans le temps, on pouvait avoir les trucs mignons, mais on pouvait pas le voir comme ça. C'est trop chou. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. A plus. À ce moment-là. Sephiroth, faut pas l'emmerder. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisqué de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Ouais, je rebouche. Vous pouvez faire courir un personnage lors du combat. Pour cela, il suffit de maintenir R2 ou d'appuyer une fois sur L3. Dans ce cas, le personnage continuera de courir jusqu'à ce qu'il arrête de se déplacer. Le personnage aura automatiquement recours aux actions de parcours. Ok. Carré hors combat, ok. Oh, trop bien, ils mettent les... Ah, tu me suis, moi. Tu as su pas elle, ok. Donc Tetsuya Nomura. Directeur Naoki Hamaguchi. Le mont Nibel a accueilli le tout premier réacteur Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu un peu célèbre. Tous les sites de réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent, mais ils n'avaient pas ce paysage. On ne doit pas s'en lasser. Si, en le voyant tous les jours. Les soldats ont la chance de pouvoir autant voyager. Voyager, ce n'est pas ce que tu imagines. On ne s'amuse pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt stimulant. Ça doit être génial. C'est Pierrot qui me regarde en mode... Mec. Désolé, je profite de regarder. Mais... Cloud en mode... Attendez. Non, merde. La caméra, s'il vous plaît. Faut faire une petite photo avec Sephiroth. Mode photo. Voilà, regardez. Hop. Ah, ils ont l'air un peu morts de l'intérieur, comme ça. Ah, tu peux cacher les personnages. Ah, c'est triste. Faut pas cacher. Il y en a qu'un seul à cacher. Ok. On y go. Parce que j'ai un peu fait du caca. Mais j'aime bien le... On doit pas sur la scie. Si, en le voyant tous les jours. Waouh. Bah oui, Nobuo Uematsu, pardon. Bah oui, meuf, allez, on y va. Je
pense que ça sert à rien hein, que je fasse ça, c'est juste pour le fun. Oh ! Des animaux ! Ok, d'accord, j'ai compris, vous voulez pas. On repart. D'un seul coup, c'est moins beau. Vous arrivez à suivre ? Évidemment. Ah oui. Mais tu devrais pas aller si vite, tu sais. Je croyais que vous étiez pressé. Un peu, oui. Mais faut pas te forcer à courir. T'inquiète pas, je me force pas du tout. Je suis très bien entraîné. Eh ben, on en a de la chance de t'avoir. J'adore. J'ai l'impression que des fois ils s'arrêtent de courir sans que je comprenne. Peut-être c'est moi qui gère mal, mais. J'espère que vous ne serez pas malade. Moi, je suis vraiment trop proche de la télé, donc c'est un peu galère pour moi, mais. Oh, merde. Je suis méchante. Ouf. Il s'approche un peu trop du village depuis quelques temps. Bah on va le péter. Qu'est-ce qu'on fait ? Je peux m'en occuper. Très bien, vas-y, ça marche. Yeah ! Merci patron ! J'ai failli dire papa pour la blague, mais... Ok. Comment on fait l'esquive déjà ? Ah mais là c'est marqué par rapport à tout à l'heure, ça l'était pas. Donc c'est bien parce que... Et le choc, justement, ça me rappelle avec la version exacte. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt. Ouais, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Il voulait vraiment l'impressionner. Ça ne sera pas de refus. Je suis en train d'analyser le Sephiroth comme une défaut au niveau des cheveux, comme ça... par rapport à la perruque et tout. Une jauge de vigilance apparaît lorsque vous approchez d'un ennemi avec un suicide sur ses gardes. Ok. Ok. Plus sur quoi pour accéder au menu des commandes. Compétences, brave. Enfin, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Je suis pas mécontent de toi non plus, Cloud. GG à toi. Bah oui, on était tous dessus, ça a été un peu à galère. GG. Alors, te laisse pas distraire, monsieur le soldat. Celui-là, il est pour moi. Oui, j'avoue. Avec les gardes. Ah oui, voilà. Merde. Oh.
Et voilà. Et il est coincé en plus. T'inquiète, je m'occupe de celui-là aussi. Je compte sur toi. J'ai le souvenir de pouvoir sauter, mais peut-être que je me trompe. Ah, le pute. Bah, j'avance pour le tuer. Ok, là c'est là que Sephiroth va être utile, j'imagine. Bon réflexe. Ouais, merci pour elle. Merci beaucoup. Restez en retrait. Désolé, je vais peut-être un peu vite, mais... Voilà. C'est que je veux bien faire les choses. Ouais, je suis surtout coincé, là. Ah, merci. Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut. Ah mais, ok. Oui. C'est trop loin pour moi. Cloud, ok. Insérer des matérias. Ah, analyse. Voilà. Ça, Emily, ouais. Et donc ils avancent avec moi, ok. Ah oui, mais c'est ok, d'accord, c'est pas ce que j'avais compris. On part sur des attaques puissantes. Oh putain! Ah, je vous les ai démontés. Voilà, ça vous va? J'ai utilisé aucune potion depuis qu'on est là. On sait jamais, hein. Apparemment y a rien, mais on sait jamais. Non, j'avais peur, mais... Vous êtes derrière, là? Ou vous êtes... Ils sont pas assez... Peut-être pas.
Oh la vache. Ouais. Faut que je me ressaisisse. Oui, mais il est où le soin ? Je veux bien, mais il est où le soin ? Récupérer des points de vie, oui, mais Cloud. En fait, j'ai besoin de soins. Inventaire, je suis dans la merde. J'ai pas compris comment utiliser les soins, donc méga potion. Voilà, c'est bon, on peut retourner. De toute façon, on est dans la démo. Je sais pas si j'en ferai. Ah bah super, ça commence bien. Oh mais putain, mais. Voilà. Voilà, ça va, on s'en ressort et ça se ressent. C'est peut-être parce que c'est une démo hein, que j'ai autant de méga potions, mais les prochaines fois, je serai joué, donc ça ira mieux, mais c'est cool de montrer tout de suite avec Sephiroth. Oh, c'est une expression. De tout montrer tout de suite avec Sephiroth pour les gens qui veulent découvrir le jeu. Eh ben, dis donc, on trouve des méga potions. Mais si je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une limite. Passer par où alors? On doit aller où? Donc. J'arrive. Ok, j'arrive. Je suis là, ma douce. Ah, on peut passer par là. Ok. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Est-ce qu'il était vraiment... Peut-être. Elle est transparente, la peau. Quelques défauts, mais comme dans tous les jeux, quoi. Les installations de la Shinra. Allez, c'est bien. Sans connaître la région, j'ai refusé de prendre un guide au début. Heureusement que Tifa est là, finalement. Oh, je l'aurais mal pris. Trop bien. Je pensais que tu connaissais bien, mais heureusement qu'il y a Tifa, en fait. Oh, putain. Non, c'est trop étonnant quand vous m'appelez Tifa, alors que c'est Tifa Maki, mais c'est mignon, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Ok, on va le laisser faire.
Moi je mate, je regarde. C'est parti pour le moment de... je sais pas. Ah, Materia. Évasion de Materia. Équipement, Cloud. Et prévoyeuse. Ah d'accord. Insérer des Materia. Voilà. Le reste, je peux pas poser. Point. J'espère que vous êtes tous rentrés parce que ça craint sinon. Mais c'est bon. Maman, viens nous voir. Il y a des ennemis. J'aime bien parce qu'ils disent vous contrôlez Sephiroth, mais en vrai, oui et non. Ok. Du coup, un hurleur. Ah, j'aurais pas cru. Ça va, on s'en sort bien, ouais. Ah mais les sorts ils étaient là, je suis trop bête. GG. Gros GG. Giga GG. Hyper GG. Ah. Ah oui, on peut. Merci Sephiroth. T'es un chic type. Un éther en plus. Merci Sophie. Des émanations de Mako. À croire que cette montagne en est une source inépuisable. Tâchez de ne pas trop respirer. J'ai pas l'intention de finir intoxiqué. Ouais. Ah. Attendez. J'ai pas trop compris. Ah, faut l'emmener là peut-être. Donc j'imagine qu'il faut prendre ça et l'emmener en fait. On va voir, mais... attention, poussez-vous les gars. J'ai peut-être mal compris, mais Ah oui, j'ai carrément mal compris, en fait. Émanation de Mako diminuée de 20%. Ah, j'avais pas compris. Ah, mais attends. Donc, je peux continuer à l'utiliser, alors, peut-être. Attendez, regardez, genre comme ça, là. Non, genre là, comme ça, là. Émanation de Mako diminuée de 70%. Ah, mais il faut vraiment faire ça. Ok, j'avais pas compris au départ, mais... Émanation de Mako entièrement éliminée. Déverrouillage de l'ascenseur. C'est gentil.
Wow, c'est super bien animé là, on voit là. Là, j'ai rien par rapport à tout à l'heure. Là, les yeux, ça rendait super bien là. Près du sommet. Une queue de phénix là. Oh, parfait! C'est pas cette queue-là, tu folle. Le jeu qui te dit regarde comme c'est beau et toi t'es en mode waouh oui c'est trop beau. Ouf ça sent le boss non? Ah il pleut. Allez. La traversée du pont suspendu. Mais il est sympa pour nous dire le changement équipe, le, tout ça. Ce pont. Pas trop con. Il me donne des frissons. Suffit d'y aller d'une traite. Hé, hey, c'est moi qui guide. Let's go. Oui, il est pas cool ce pont. Oula. Super. Voilà, vache. Et c'est féroce, lui, tient bien. Non. Mais... Vous êtes sauté? Ah, faut être sauté. Ah, eux, ils sont restés dessus. Oups. Un Sephiroth, il tient le choc. Il va récupérer tout ça ou pas? Je m'en souviens pas. Oh là. Il tient bien le choc, les gars. Oula. Ah, il l'a loupé, merde. Oh, il y a au moins un mort. Désolé, les gars. Bon, déjà, la petite PLS. Premier mort du jeu, là, qu'on a. 2 heures plus tard. Désolé. Non. Ah, c'était sûr. Il a été emporté. Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider? Oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. D'accord. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test? Peut-être. Vous avez vu les marques jaunes derrière? Bah, ça fait gueuler des gens et c'est vrai que bon, c'est... Oh! C'est trop cool! À jouer à l'équipe! Mon petit Sephi. Et ça, c'est pour dire, bah oui, faut passer par là. Dommage qu'ils n'ont pas mis en blanc comme dans certains jeux, déjà que certains jeux en blanc c'était chiant, mais alors... Voilà quoi. Bon, et bah tant pis pour le jaune. Et voilà, il y a une petite matière en plus.
Bon, la petite matériel, voilà. Je voulais prendre... Donc au moins pour... Trop classe, désolé. Voilà. Et Sephiroth, lui... Oh ! Et donc la Mazamune, et voir le Materia. Résurrection. Ok. Soin. Vent. Air d'effet. Sorte de feu. Air d'effet, ok. Foudre. Air d'effet, encore. Ok. Sauvegarder. Ça fait 2h02 qu'on est dessus. C'est pas possible. Les parfois préfèrent de changer de personnage avec pour faire face efficacement à certaines situations. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des membres de l'équipe. On peut changer tout en fonction de corde. Ok, donc là, carré et maintenir, ça fait lancer à distance. Réussir un certain nombre d'attaques, ça permet d'enchaîner un de ses compétences spéciales avec comme coup des stocks ou lame lançante. Qui remplira sa jauge de transcendance si elle touche sa cible. Alors, après avoir appuyé sur un, si on se met un peu sur le record, on ne peut pas appuyer sur carré au bon moment pour ne pas détecter une parade. Ok. Et ben avec Sephiroth ça va plus vite. Ok, on peut changer le chef d'équipe, mais c'est lui le chef de l'équipe. On va laisser Sephiroth. C'est la bonne patte. Au début j'allais dire c'est la bonne bête. Non, c'est la bonne patte. On va le prendre lui. Encore des émanations de Mako. Et particulièrement dense. Ne traînons pas ici. Respirer trop de Mako. Ouais, respirer trop de Mako est dangereux. Ah, je peux pas lui en rajouter. Easy-peasy. Contre ces bêtes, je parle. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir.
N'importe quoi. Qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. Tout le monde le dit, en fait. La planète est immense. Et la Mako illimitée. Pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Bonne question. Comment as-tu fait pour devenir un soldat? Très bonne question, je sais pas. C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience. Leur capacité à manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts, en théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça? L'autre connard, là. Ojo, du département scientifique. Ouais, Ojo, pardon. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. J'ai dit Jojo parce complexé que... Complexé jusqu'à la moelle. Parce que... C'est sa version parodique, là. Allons-y. Donc c'est Ojo, c'est ça. Bref, j'y ai arrivé. Bon, en tout cas, on a vu ça. Ojo, il boit tellement qu'il est devenu Barjo. Soigner Sephiroth, mais pour l'instant ça va, je pense. Pour l'instant. Attendez, j'ai bien fait de regarder. Dilapidation. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, non, on va pas leur jeter de l'argent sur la gueule, hein. Pas pour l'instant en tout cas. Je crois que j'aurais même pas assez de pognon dans le jeu pour ça, enfin à ce niveau là. Je peux pas attaquer. Ok. Je vais juste regarder s'il y avait d'autres trucs. C'est beau, en vrai. Bon, alors, peut-être pas là le truc qui s'est pas chargé. Le reste c'est beau. Vous voyez, ça comme ça là. Bon, lui il s'est pas chargé. Ouais, parce qu'en bas c'est pas chargé. Mais en dehors de ça, c'est beau, hein. Voilà. Il suffit de pas regarder les défauts du jeu. Déjà Resident Evil 4 Remake, il y en avait. Donc, hein. Voilà. J'ai vu qu'il y a plein de jeux qui ont malheureusement ces défauts là. Donc, c'est comme ça. Attention.
Voilà, bon, on y va. Il y a une matéria en bas, va falloir aller la chercher. Et il passe à travers le gars quand même. Et vous n'êtes pas obligé de descendre, vous inquiétez pas. Derrière RDFM. Sephiroth. Ah, on y revient. La musique échange, là, qui va dire... Oups. Voilà. Lorsque vous mettez en posture de garde, Guérin, vous pouvez effectuer des actions synchronisées avec un équipier en appuyant sur certaines touches. Notez que ces actions synchronisées ne concernent pas la TV et diffèrent en fonction du personnage contrôlé. Vous pouvez voir la description des actions pendant... Ok. Donc on peut faire des trucs à deux. C'est un sous-salaire de famille, ouais. Donc si on expose sa faiblesse élémentaire, ça fera la fragilité. Et le choc arrive plus facilement. Et ça va l'immobiliser. Faiblesse au vent, efficace sur lui. Okay. Ok, j'ai compris comment... GG. On a géré, GG à nous. Méga potion. On va passer par là, ok. Plus voir ce qu'il y a là. Et on fait bien de regarder. Voilà. Parce qu'il y a une matériel que je n'avais pas vu. Garde précise renforcée. Ok. C'est clair de tuer ta classe? Je m'attends, à chaque fois j'ai jamais une matériel. Magie auto. Ok.
Donc magie automatique. Ça peut être pas mal peut-être de la mettre, non? Je vais regarder. La magie auto, elle est bleue. De la matériel associé. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Faut tout frapper, faut tout casser. Enfin, c'est ça. Oh là, il y a un gros boss là. Ça sent le méga boss là. Est-ce que j'ai un petit soin gentil là dans l'inventaire? Un tout petit. Super mix potion. 700 PV, 1500 ou 700. Voilà. Éther, je crois que je pouvais prendre. C'est fiance. Voilà. On est bien là. Puis si je l'utilisais pour rien, bah dans le cul. Voilà. Et ça sent le boss, donc si on te met plein de trucs comme ça, ça sent un boss. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bon, si c'est que ça. J'ai compris, faut que je maintienne. T'inquiète, ok. Allez. Voilà. Allez, bouge, avance. Câble trop court. Ok, le chemin c'est ça. Mais je sais pas si ça on pourrait le deviner ça. Donc. Il y a de ces fiances que je sais pas ce que je dois faire, Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Émanation de Mako diminue de 70%. Émanation de Mako entièrement éliminée. Déverrouillage de l'ascenseur. Allez, let's go. C'est pas pressant, j'imagine. Et là, il y a aussi des 8 patates. Laissez-moi passer, merci. Ah, il y a un lit. Ce sont là. Oh. Parfait. Un élixir. Oh, il y a un bug. Sauvegarder. Oui, on sait qu'on doit acheter le jeu, vous inquiétez pas.
Ouais, 1h19, c'est bien ce que je pensais. Je suis pas plus que ça. J'ai vu à peu près combien durait de temps la démo, donc je me suis dit je vais la tenter aujourd'hui au niveau horaire. Ouais, boss. Attends. C'est quoi ? Un peu plus cool. En arrière. On dirait un BMF mais différent. C'est le genre d'action que tu attendais. Oui. Ouais, si on veut. Il doit protéger les pistes. J'ai pas l'intention d'envoler. J'essaie de l'envoyer. Voilà, vache. Regarde-moi bien. Faudrait bien que autre chose. Oh la vache. Je peux pas me libérer. Fais plus attention. Oh la vache, mais calme-toi, ta mère la pute. Ma jauge, j'avais pas. Sors souvent sur Sephiroth qui commence à être cata. Il est temps de passer au champ. Avec moi. Ouh. Oh, c'est trop beau. Oula. Il est agile, lui. Il va vite retomber. Je vais lui montrer que je maîtrise pas seulement l'épée. Attaquons ses pattes. Ne néglige pas ta garde. Objet, méga potion sur Cloud. Compétences analysées. Ah, il craint le feu. Immunité à tout le reste, au dodo et tout. Ok, donc faut faire du feu. J'ai du feu, ça tombe bien. De feu. Oui.
Bah super, loupé. Ça y est, je commence à comprendre. Comme un petit chien. Super. Spirale croisée. Attaquer le gardien de matériel avec cette compétence à grand jeu. Ça me dit okay. Rien qui vaille. Prépare-toi au pire. Je vais pas te rater. On va essayer. Wow, trop classe. Ou alors qu'est-ce que tu fabriques encore? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais faire. T'inquiète pas, on attaquerait. Pas derrière, on va. Tu m'as sauvé. Attends-toi. Avec plaisir. Ils vont peut-être kiffer, les gars. Transcendance. Ouh, porte de l'enfer, ça me tente bien. Rien que le nom. Ah, transcendance, je suis encore. Oh, tout frappe. Ah, voilà. Ouh. Merci, Sephiroth. Oh, merde. Ouf, merci Sephiroth. Tu m'étonnes qu'il te donne la vie, Franck. GG. GG, gros GG. Beau travail. Bah bravo. Non mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Est-ce qu'on va voir là la réponse? Je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète, l'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. Achetez le jeu pour ça. T'inquiète. Non, je sais pas. On va y venir. Est-ce qu'ils vont y montrer maintenant ou... Ah, c'est là où il va rencontrer maman. Maman, j'en ai pas. Tifa, désolé, tu restes là. Quoi? Pourquoi? Je vais y aller avec vous. Je vais voir. Les civils ne sont pas autorisés. Surtout aujourd'hui. C'est pas juste. Je te charge de la protéger. Ah, c'est quand même une petite tête de Cloud qui a là-dessous. Et je crois qu'elle va quand même y aller. T'as intérêt à me protéger. Désolée, c'est Cloud. Je voulais voir le réacteur, moi.
La pauvre, elle est trop choupie. Moi, je voulais voir le réacteur. Je voulais juste voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne ici, parce que... Maintenant, on va savoir... Enfin, vous allez savoir, parce que moi, je sais déjà. Vous allez savoir pourquoi Cloud... Sephiroth a vrillé. Mais genre, vrillé sévère. Ce garde, il a l'air encore moins bavard qu'une tombe. C'est Cloud, c'est pour ça. Non, je... le chieuse. Attention, Sephiroth, c'est risqué d'être dans mes pattes, parce que je casse tout. Avoir un Sephiroth qui te suit, quand même, c'est perturbant. Attends, il a l'air de tourner normalement. Les vieux modèles de ce genre sont censés ne plus tourner qu'à bas régime, pourtant. Et bien sûr, les gens du village n'en ont aucune idée. Méthode typique de la Shinra. C'est le genre de politique qu'on ferait bien mieux de revoir. Va dire ça au président. Alors, c'est quoi le problème, à ton avis? La gestion du site. Normalement, elle revient au développement urbain. Mais ce réacteur est confié au département scientifique. Oula. J'ai un mauvais pressentiment, maintenant. Tout ce que tu vois ici est top secret. Ouais, je sais. Ouais, c'est top secret. Ah, on descend. Bon, alors, Sephiroth, sinon, t'as quoi nous raconter de beau? Ah, putain, mais cette taille. Je peux faire le cosplay, mais je suis petite, moi, à côté. Faudrait que je mette des crases... Enfin, des grosses chaussures, quoi. Avec des grosses plateformes. En plus, on y regarde dedans, ouais. Non, c'est des bottes, en vrai, mais... Ça ferait vraiment que je le fasse, putain. On va dans l'antre du mal. Non, on va. Vous allez apprendre des trucs. Si vous connaissez pas, vous allez apprendre des trucs. Moi, je vais redécouvrir. Et ça me fait plaisir, d'ailleurs. Voilà, c'est bien de l'autre côté, c'est par là-bas. Est-ce qu'est-ce que je pense maintenant? Oui, ça a l'air d'être là. Ouais, c'est ça. Chut. Maman. Non, pas du tout. Oh. Si tu veux prier sur ta lame, fais-le maintenant. Prier sur sa lame? Encore une bête? J'ai pas souvenir qu'il y avait une bête. Maudit Ojo. C'est son œuvre. Mais c'est quoi tout ça? Vaut mieux pas que tu saches. Enfin si, mais non. Féroce. Je me demande s'il a pas déjà lu le bouquin avant, là. Je crois qu'il a déjà lu le bouquin avant. Et que c'est pour ça qu'il est pas bien. Enfin bref, on verra. Je crois qu'il y a une histoire qui vient un bouquin avant. C'est bizarre, ça. Mais c'est ta mère. Tu me disais que Genova, c'était ta maman. Et là, il n'y a plus Sephiroth. Enfin, il est trop loin pour qu'on le voit. C'est une fuite de pressurisation des capsules qui a causé le dysfonctionnement. Cloud, va fermer la valve à l'extérieur. D'accord. Non, c'est pas le bon moment. Non. Non, c'est pas le bon moment. Non. Non. Je peux pas te laisser y aller tout seul. Sephiroth, je ne peux pas te laisser y aller tout seul. Sephiroth, je ne peux pas te laisser tout seul. Le jeu qui me dit attention. Bah je sais, mais je peux pas le laisser y aller tout seul.
Oui. Ah, vous êtes maintenir encore. Ça va, oui. Non, mais Sephiroth, il a eu le temps de faire un bisou à sa mère hein, à ce niveau-là. Encore une fois, on dirait. C'est bon. Bon. Il a tout pété. Je vous l'ai dit, il a tout pété. Qu'est-ce que tu fais ? Bah. Cette capsule sert à fabriquer des matériaux de synthèse. Genre. Oh Joe, ce salaud. Il y a enfermé des animaux pour les infuser avec de la macro. Et pas que des animaux. Voilà comment sont apparues ces immondes créatures. Et le pire, c'est qu'il a fait d'autres expériences. Voilà. Les animaux ne lui ont pas suffi. Genre juste localite Cloud. Regarde. Y'a pas. Y'a pas. Tu vas voir si. Tu vas le terminer. Désolé. Mais c'est là que t'as de la peine quand même pour Sephiroth. Est-ce que je suis humain ? Après ça, on est tous retournés au village. Mais Sephiroth s'est alors enfermé dans sa chambre. Ah oui, et il s'est passé ce qui s'est passé. Le maire était choqué. Il voulait tellement dîner avec les soldats, mais on a dû annuler pour le coup. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Mon père en a fait les frais. Ouais, bon, et Sephiroth alors ? Il a fait quoi après ça ? Un truc pas cool. Durant la nuit, il s'est éclipsé de l'auberge. Qu'on dormirait ensemble. Et en fait, c'est pas le cas. Non, je sais déjà ce qui va se passer. Et c'est pas. Sephiroth est parti vers le manoir Shinra. Il m'a complètement ignoré alors que je lui parlais. C'est vraiment pas très poli. Il avait l'air très pressé. Si jamais tu cherches Sephiroth, je l'ai vu sortir du village un peu plus tôt. Désolé, je vous abandonne. Dans le manoir Shinra, il paraît. Il a l'air un peu bizarre depuis qu'il est revenu du réacteur Mako. Il a peut-être inhalé trop d'effluves. Bon, apportons-lui des médicaments. Oh, ils sont mignons. Ils veulent lui apporter des médicaments. Mais vous êtes trop gentils. Si vous cherchez Sephiroth, il s'est rendu au manoir Shinra, un peu plus loin. Désolé, je les suis. Hein. Ah, attends. Ils m'attendent pas. Hein. Sephiroth ? Non. Le manoir Shinra était le plus grand bâtiment du village.
Ah, c'est là où il date d'avant le réacteur. Oh, c'est là où il est. La Shinra l'a construit comme laboratoire de recherche quand elle n'était qu'une petite société. La location du terrain était une importante source de revenus pour le village. Et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre. Il fait tout noir à l'intérieur du manoir. Si ça se trouve, il dort. Et s'il avait vous pouvez donner les docs. On aurait l'air malin. Attends, on parle de Sephiroth là. Il va pas tourner de l'œil comme ça. Non, surtout pas Sephiroth. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Le reste appartient au passé. Enfin, au futur. Enfin, bref. Ah, c'est ici. C'est ici, c'est pas cool. J'avais cherché partout à l'intérieur, mais Sephiroth était introuvable. Il est un peu en PLS, notre petit Sephiroth. Mais je le comprends. Se sentir complètement différent des autres et qu'on te le fasse comprendre aussi. Et lui, il a une explication. Bon, allez. Il y avait une cave secrète. Ouais. Ouais. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Ah, la musique, elle fait peur. En vrai. Mais c'est peut-être une bonne porte pour sortir. Ouais, il est là. Oh, c'est vrai. Mais donc, ils se sont inspirés de ça, je pense, la lecture. Il lit d'une façon trop mignonne dans Réunion, dans le jeu avec Zach, Crisis Core Réunion. Je me demande s'il a la même façon de lire, en vrai. La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Et pour l'instant, il imagine pas que son doigt, mais... 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Sephiroth, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Il a besoin d'être seul. Oh, il a après le tout ça, Sephiroth est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Il avait besoin de savoir. Ouf, là tu sens qu'il y a un problème. Mmh. 7 jours plus tard. Genova. Je m'en souvenais pas qu'il y avait 7 jours après. Il y avait ce nom écrit sur cette porte. Mais je crois qu'il y avait Claude qui disait un que c'était le nom aussi. De sa mère. Pourquoi il serait dit dans tout ça? Enfin, je sais plus. Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Sephiroth. Non. J'ai cru qu'on allait refaire tout le chemin. Ah, Cloud. Ces documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux.
Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom, et j'ai choisi celui de Genova. Mais ça, tu nous l'as dit déjà tout à l'heure. Moi, je veux apprendre ce que t'as appris après. Le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé ? C'est ça qu'il a pété un plomb. En vrai, péter un plomb. Attends ma venue. Attends! Sephiroth, qu'est-ce qu'il prend? Mais voyez, s'il n'était pas lié à tout ça, il n'aurait pas, c'est, dans mes souvenirs, tous ces flashbacks, ces trucs comme ça. C'est féroce. Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt... T'aurais évité le drame, mais... Alors peut-être que... j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Et dans ce village, voilà. Alors, moi je comprends toujours pas pourquoi il a brûlé le village, mais je comprends pourquoi il a pété un plomb, mais pas pourquoi il a brûlé un village. Mais bref. Hé, hey, toi ! Bouge-toi ! Il faut les sauver, vite ! Je sais pas dans quel coin il faut aller. Si, normalement c'est dans ce coin-là qu'il faut aller. Oula, je suis en dessous. C'est pour ça que là... Monsieur le maire, c'est je sais pas pourquoi. Ouais, il a complètement perdu la tête. Il est sûrement encore dans les barrages. Mon Dieu! Reprends-toi un peu. Vous devez vous assurer que les gens puissent évacuer. Ok! Mais c'est féroce. Pourquoi? C'est une très bonne question. La maison de Claudia, c'est celle avec le machin là ? Non, je peux pas. Hein. Non, c'était pas là. Ok. La fille est morte par terre, je vais pas aller. Tu crois que je vais mourir ? Ah, t'es pas mort ? Non, ça devrait aller. Tu vas survivre. Mais la mère de Cloud. Faut que je trouve un passage. J'arrive. Mais putain de merde. Alors faut trouver un passage, mais je veux bien passer moi, mais. Non, d'accord, pas par là. Mais Cloud, il galère. Je voudrais qu'il aille plus vite, putain.
Bon bah apparemment c'était là. Gars, tu vas survivre. Enfin, je crois, si t'es pas déjà mort. Et c'est toi qui parlais, sinon, t'as... Putain, ta mère a le temps de crever, là. Ça a l'air un peu triste à dire, mais... Je sais plus si ta mère est morte, mais... Je crois. Hein. La musique est magnifique, en fait. Oh putain, mais t'abuses. Ah non, là, on rejoint la maman, là. Hein. Je suis désolée. Non, mais alors, l'état, c'est pas possible. Je pense que vu l'état de la maison, ça allait pas sortir à des morts. Hein. Attends. Le garde, il a dit maman. Il a dit maman, hein. Le garde a dit maman. Pourquoi ta mère à toi? Ou alors, si je ne sais pas, c'est Cloud qui a dit ça. Ah oui, mais alors attends, il est lié, lui, je crois. Il est lié, et donc c'est pour ça qu'il entendrait sa mère, potentiellement morte ou pas. Oh, enculé, j'avais oublié. Pourquoi tu fais ça, Sephiroth? Pourquoi tu fais ça? J'ai oublié, pourquoi t'as fait ça? Sephi, on va avoir une discussion, toi et moi. Pourquoi tu l'as tué? T'as rien fait, lui. Sephiroth, tu n'es en fait qu'un monstre. Non. Mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi d'un coup, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Encerclez-le. Non. Non mais les gars, vous pouvez pas le battre. C'est triste à dire, mais vous pouvez pas le battre. Attends, vous voulez que je monte par-dessus l'arbre? Grâce au machin métal? Mais je sais qu'il a fait des mauvaises choses, hein, c'est... En fait, je comprends pourquoi il a pété un plomb, mais alors, j'ai pas compris pourquoi il fait ça. Pourquoi il tue les gens, j'ai pas compris. C'est pour ça que je vous ai dit, vaut mieux l'avoir un ami qu'un ennemi. Hein. Ah, c'est super bien fait, n'empêche au niveau de la tête et tout. Mais pourquoi t'avais fait ça? J'ai oublié, mais pourquoi t'avais fait ça? Je crois que c'est parce que l'être humain mérite rien et qu'il est au-dessus, parce que j'arrive. Les anciens et tout ça. Je viens te chercher. Mais je suis pas sûre. Mais je comprends pas en fait. Mais c'est féroce. J'avais souvenir qu'il avait brûlé le village, mais j'avais pas souvenir qu'il avait tué les gens. Ah, ça, c'est la scène la plus iconique de Sephiroth.
Magnifique scène. Vous la sentez, la folie sur son visage quand même ? Ah bah d'accord. Oh non, vous pouvez pas finir comme ça. Oui, c'est iconique, oui, tout. Ah mais c'est bâtard, en fait. Ah non. Non, c'est un truc d'enculé, ça. Fallait pas finir comme ça. Je voulais en savoir plus. Bon, je vais appuyer sur une touche, comme ils ont dit. I'm back now, Aerith. Oh. I'm back. Normalement, il est censé être mort. Therefore, we ask that you retrieve it. The black materia, key to our oblivion. You should get yourself a ridden. Well, Red, how do we look? Huh? It's gotta be hiding some ginormous materia. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la pub de FF avec cette musique. Elle chante super bien, la chanteuse. Don't misunderstand. Sid. You'll need a way home. Oh, Valentine derrière. So when you're ready, I'll be here. You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. Genova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Here, take it. This isn't about me, though. It's about saving the world. And right. You. The reunion. When spite and sorrow are harvested to feed the planet. No! Voilà! Rebirth. Rebirth. Donc, je peux acheter soit... Donc, ah oui, le remake et Rebirth, mais j'ai déjà acheté Remake, désolé. J'ai acheté carrément le collector de Remake. Cadeau qui a été partagé avec mon chéri, d'ailleurs. Il a payé une partie et moi aussi. Je peux changer ? Voilà. Pack double numérique de luxe. Ouais, d'ailleurs, il y a tout ça en plus. Rebirth normal et standard édition et édition numérique. Bon, bah voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors, avoir terminé la mission Nibelheim, Sephiroth et Cloud vous donne accès à une nouvelle section de la démo jouable. Ah bah j'ai rien dit là. La région de Junon. Exploration. Celle-ci propose des combats plus difficiles, ainsi qu'y affronter des ennemis en contrôlant Cloud, Barrett, Sephiroth. Cloud Barrett, Tifa Iris et Red 13. Vous pouvez également utiliser le simulateur de combat de Chadley. Les éléments de ces sections ayant été spécialement conçus pour la démo jouable, ils diffèrent de ceux du jeu complet. On peut faire un petit test. Et puis après, j'arrêterai. Désactiver. Normal. On va essayer le classique pour voir les différences. On va faire quelques petits tests, mais... Regardez. Oh, le skip, mine safe. Machinera. Je les vois nulle part. Oh la vache, j'imaginais pas aussi gros. Il a pas eu de chance, lui. Et lui, ça va le rappeler Sephiroth, normalement. Regardez, c'est quoi là-bas? La ville forteresse de la Shinra, Junon. Allons-y. La région d'Union et exploration. En vrai, je me demande si j'aurais pas prendre mon temps et le faire une autre fois, parce que là, ça va être coton pour moi.
que là, niveau timing, horaire, chaud. Ah, si c'est à d'autres chocobos, ça ira peut-être plus vite. Oh! Pardon, excusez-vous. D'où est-ce qu'il a pu venir? On m'a parlé d'un vieux réacteur sur une île. Et un condor géant en aurait fait son repère. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais en tout cas, je ne connais aucun moyen d'aller sur cette île. Bien fait pour la Shinra! Ça leur apprendra! Tout, récolte des matériaux! Je vois. On ne peut rien alors. Ouais. Mieux vaut aller à Juno. Mais ouais, il faut pas que je le fasse de trop. Putain, je commence à fatiguer en plus. Voilà. Coucou petit chocobo. Baby chocobo. Rien. Enchantée de vous rencontrer, Cloud. Je suis votre tout nouveau module d'analyse et d'information. Mais okay. Pour faire court, vous pouvez m'appeler simplement Mai. Je suis une assistante vocale programmée par le docteur Chadley pour vous renseigner sur les créatures dangereuses. Désormais, je vous aiderai, vous et vos compagnons, dans votre lutte contre les bêtes féroces. Je détecte justement la présence d'une créature singulière un petit peu plus loin. Je vous serai reconnaissante si vous acceptiez de collecter des données sur cette espèce pendant votre combat, Cloud. En tant que guide, je reste bien sûr à vos côtés. Nous allons former une super équipe. Elle m'a un peu rappelé... J'ai identifié une espèce rare de chimère. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet. Ces étranges créatures, qui semblent résulter d'un croisement contre nature, ont été vues pour la première fois après le développement de l'industrie macrobiologique. Pourquoi on les a initialement considérées comme le résultat d'une mutation génétique due aux effluves de Mako. Cependant, faiblesse au feu. S'il ressemblant à ces étranges à un joli ancêtre des chimères. Ok. Je suis toujours mort. Donnons des sens à la théorie selon laquelle elles existent déjà sur cette planète depuis des temps reculés. Ok, la compétence tempête. Le petit Jerry, je suis en train de crever. C'est tendu. Je vous invite donc à avec grand prudence. Dans le temps imparti, les battre, chaud quand même. Ouais, je vais pas y arriver, je suis pas assez doué. Non, je pense que je vais pas y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que ce petit live vous aura plu. Enfin, ce petit live, mon dieu. Je suis trop habituée au live. Cette petite vidéo vous aura plu sur Final Fantasy. Moi, pour ma part, ça m'a bien plu. Bien sûr, redécouvrir la partie avec Sephiroth. C'est la base de la base. Surtout là-dedans. Donc voilà. Je peux pas l'enlever ? Ah si. Retourner à l'écran titre.
Voilà. Donc, voilà. Ben, j'espère en tout cas que cela vous aura plu. Donc, comme je disais, franchement, Sephiroth, c'est la base. Cloud, c'est la base. J'espère que leur histoire vous aura plu. On pourra redécouvrir ça. Si vous avez des avis, des points de vue sur l'histoire ou de ce que vous venez de découvrir, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un peu plus d'infos. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura vraiment plu. Je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Et j'espère que je pourrai jouer bientôt à FF7 Rebirth pour le coup. Tout plein de bisous, à la prochaine. Ciao !